Bonjour à tous. Dans le cadre du concours des 24 heures de l'innovation, nous avons décidé de concentrer notre temps sur l'étude d'un système de collecte des déchets intelligents, c'est-à-dire pouvant les collecter de façon autonome et sur demande. Nous nous sommes donc demandé pour qui était destiné ce tout nouveau système, et c'est ainsi que nous nous sommes tournés vers les résidents d'une zone pavillonnaire. Le camion est guidé seul, grâce à un système d'émission réception d'ondes électromagnétiques émises par un câble enterré sous la chaussée. Un moteur électrique sera utilisé et les batteries seront rechargées par induction, produit à travers la chaussée suivant la technique serpentine. Lorsqu'arrivera, décide d'appeler ce camion, il disposera sa poubelle dans un emplacement prédéfini qui bloque la poubelle. Un signal GPS est envoyé au centre de contrôle qui va ensuite décider d'envoyer un camion suivant le nombre de poubelles demandées par différents résidents. Une fois le camion sur place, une puce électronique implantée dans la poubelle et un flash code permet de reconnaître le type de déchet et l'utilisateur. Le riverain sera ensuite débité directement sur son compte bancaire. Un bras mécanique sera utilisé afin de vider la poubelle dans le conteneur du camion. Celui-ci possédera deux emplacements, pilotés par une trappe qui s'orientera en fonction du type de déchet. Des capteurs de proximité ainsi que des caméras seront placés à l'avant et à l'arrière du véhicule afin d'éviter de quelconques obstacles. Une fois l'obstacle évité, le camion se redirigera vers le câble de guidage.